Bonjour, on est trois gars sur le sofa, un groupe de musique acoustico-acoustique et je m'appelle Guillaume Meloche. Et Nicolas. Et Guillaume Monette. Et on s'apprête à faire le défi en action, sans audition. En fait, le défi c'était assez... je sais pas si les gars vont dire la même chose, mais le plus perturbant, c'est d'entendre seulement ta voix et non pas celle des autres. C'est vraiment suivi en se regardant. Ça aurait été drôle et intéressant de le faire les yeux bandés, quelque chose. On aurait probablement, parce que là, je suis sûr qu'on était quand même excellent. Mais on aurait probablement été, ça aurait été catastrophique de ne pas se voir. On aurait vraiment eu de la misère à se suivre. Moi, ce que j'ai trouvé difficile, c'était de savoir comment on projette. Puis je peux me mettre à la place des gens peut-être qui ont de la difficulté à entendre dans la vie. Que des fois on trouve qu'ils parlent fort. J'ai l'impression que quand on est comme ça, on a comme une retenue parce qu'on a l'impression qu'on parle fort ou du moins on veut pas parler fort. C'est comme mal vu de parler fort. C'est comme l'affaire de. Pas le fun, tu sais. C'est comme un défaut, pas le fun à avoir. Si on avait une perte auditive comme on réel. Dit, réelle, si c'était juste un ou trois, je pense qu'il y aurait moyen de moyenner un peu. Ce serait dur. Spectacle dans plein de contextes différents, que des fois dans des petites salles, dans des grandes salles, dans dehors. Fait que faut que tu t'adaptes, puis je pense que la beauté de l'oreille humaine, c'est justement de s'adapter à toutes ces conditions-là, puis de faire en sorte que ça soit agréable. Ce serait très difficile, parce que là, on l'a vraiment fait en se regardant, puis des fois, t'es pas toujours aussi nécessairement dans une position où tu peux vraiment te regarder. Fait que. Moi, je pense que ce serait vraiment très difficile. On aurait probablement un re-questionnement de carrière. On trouve des amis dans toutes les occasions. Nous, aujourd'hui, on a simulé la perte d'audition et je pense que j'aimerais pas ça, que ça arrive pour vrai. Alors, faites attention à vos oreilles. Tu dois avoir l'impression de faire partie de la gang, là, tu sais, quand il se passe de quoi. Là, tu peux pas entendre la joke qui se passe. Le fameux réflexe qu'on a tous. Des fois, quand on comprend pas ce que quelqu'un nous dit, on fait comme si on avait compris, tu sais, ben, je pense que tu te sens toujours un peu mal de jouer cette position-là, mais là, quand tu joues ça à chaque phrase, tu sais, quand ton boss te parle pis t'as pas le goût de le faire répéter, tu sais, ça doit pas être facile à vivre. Ça a pas de prix, je pense, d'entendre ce qu'on veut entendre. Prenez soin de votre audition.